Salut à tous et bienvenue dans le guide e-sport de la semaine. GTA V est l'un des succès les plus remarquables de l'histoire des jeux vidéo. Après sa sortie il y a presque 7 ans, le jeu comporte toujours des millions de joueurs chaque jour et les chiffres continuent de monter. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les 3 erreurs à éviter lorsque vous commencez à jouer en multiplayer dans GTA V. La première erreur est de garder votre argent sur vous. Lorsque vous en avez, vous risquez de vous faire éliminer par les adversaires qui voudront récupérer un pourcentage de cet argent. Faites donc particulièrement attention à ne jamais garder plus de 5 000 $. Vous pouvez accéder à la banque très rapidement en allant sur le mobile, internet, puis argent et services. Allez sur Maze Bank et mettez votre argent à l'abri. La seconde erreur est de vouloir conduire n'importe comment dans les rues. Même si GTA V, c'est avant tout le plaisir de pouvoir faire ce qu'on veut, faites attention lorsque vous êtes en multijoueur. Si vous causez des dégâts sur votre voiture, il n'y a pas de cheat code pour en avoir une neuve. Vous devrez payer pour la réparer. De plus, c'est un bon moyen d'être étiqueté « cinglé » et les joueurs ennemis verront alors votre emplacement sur leur carte avec un point rouge. Ils gagneront de l'argent et de la réputation en vous tuant. La troisième et dernière erreur est de vouloir dépenser votre argent inutilement. Les vêtements, le tuning des voitures, les tatouages, cela ne vous sert à rien au début, mis à part vous ruiner. Outre l'aspect esthétique qui vous différencie des autres joueurs, c'est surtout le meilleur moyen de perdre vos dollars. Vous devez d'abord vous fournir en armes, ensuite acheter des véhicules, puis un appartement. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro des Weekly Tips.